sur le plan, parti un petit peu en retard, mais il ressort devant. Oui, il ressort devant sur une belle coulée sur la reprise de nage. Yannick Agnel qui détient le record de France en 39,70. Jérémy qui détient le sixième temps du français de l'histoire avec ses 1,43,94. Ils sont 6 à avoir nagé moins d'une 44. On va voir s'il va être capable de normalement. Ouais, quand on voit ce qu'il a été capable de faire en grand bassin aussi au championnat de France de Rennes, il a nagé une 45. Il devrait être capable là, effectivement, de nager dans les eaux de la meilleure performance mondiale de la saison de Yannick. On va voir. 54 au 100 mètres. Devant Clément Mignon à la ligne de numéro 3 et devant Loris Bourrelier à la ligne de numéro 5. Ils sont en train de se donner à fond. Hein. Jérémy Michel, le chrétien, nous disait tout à l'heure qu'il allait se contenter de gagner. Ça revient à la ligne d'eau numéro 3 avec Clément Mignon. Il a un petit peu coupé son effort. C'est une course curieuse de la part de Jérémy Stravius. Il n'est plus en tête. Clément Mignon a pris les choses en main. On va voir la dernière coulée de la Miennois. C'est bizarre. Il est fatigué, Jérémy. Alors, est-ce que dans cette dernière coulée, effectivement, il va aller chercher la victoire? Il revient en tête sur cette coulée. Voilà. Ah, c'est une course gérée assez bizarrement. Il s'impose en 1,44. Je pense qu'il n'avait plus les jambes sur cette fin de championnat de France. Il y a le championnat d'Europe qui commence dans 4 jours. Exactement. On sait qu'il va faire beaucoup de courses encore. Donc, Michel Chrétien l'a dit tout à l'heure. Hein. Il a dit qu'il va se contenter de gagner, de jouer la victoire. C'est la dernière coulée. Il n'a pas cherché à faire une grosse perte. Non,